Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Marvel's Spider-Man. On est avec notre Spider-Pote et on est à 96% de l'histoire principale. Cet anti-sérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Mais oui, Spidey. Convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman. Bah, sans doute que si. Alors, j'ai vu aussi que dans notre pouvoir, normalement au niveau 50, on a découvert ceci. Capteur de proximité révèle les emplacements de photos secrètes à proximité sur la mini-carte. Ce qui va être très intéressant pour choper un costume, que je ferai donc sans doute entre le moment où j'aurai fini l'histoire principale et quand j'aurai commencé les DLC, qui arriveront, vous voyez, juste après l'histoire. Je vous rappelle qu'on est dans l'optique du 100%, on va dire. Donc, ça devrait arriver assez vite. En termes de gadgets, on est à fond partout. En termes de compétences, on est à fond partout. Il me semble qu'il nous reste plus que les quêtes principales à faire. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Très bien. Bon, bah c'est parti du coup. Quête principale, nous voilà. Norman est parti chercher l'antisérum. Il faut que je prévienne Yuri. Hop là. Donc on a quand même... J'espère que les nouvelles sont bonnes. Oui. Oscorp vient de mettre au point un antisérum. On a un remède. Dieu merci. Vous pensez qu'on peut diffuser rapidement? Ouais, je verrai ça au labo. À l'angle de la 10e et cathédrale. Minute. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. J'y vais tout seul, très bien. Ce sera bientôt fini, promis. Bon, c'est une histoire qui pue. On a encore un petit peu de contenu à faire, hein, parce qu'il y a encore tout le DLC, tout le Season Pass à faire derrière. Mais bon, je sais que je vais m'en sortir suffisamment vite quand même. On reverra pour la prochaine série qui sera sans doute en thème derrière. Je vais mettre en place de nouvelles règles vis-à-vis de la chaîne. Je ferai ça d'abord dans une petite vidéo pour expliquer tout ça. Pour essayer de redynamiser à fond la chaîne. Norman, qui les provoque en plein cœur de la ville. Et vas-y, que ça se bagarre comme des mômes. Des sales mômes surpuissants qui causent la mort et la destruction. On me demande souvent, pourquoi c'est des gens comme eux qui ont des super pouvoirs? Et pourquoi pas quelqu'un comme vous, Jonah? Ah, eh bien j'ai songé à exploiter la science pour m'attribuer des pouvoirs. Uniquement dans le but de mieux vous protéger, bien sûr. Mais après mûre réflexion, j'ai tiré un trait là-dessus. Parce que les pouvoirs vous corrompent. Je suis un homme du peuple et je tiens à rester un habitant ordinaire de New York qui travaille dur. Je ferai ma part avec mon émission, avec mon empire médiatique et avec mon immense fortune personnelle. Une immense fortune personnelle. Ah là là, il est complètement fou ce Jonah. Salut Martin. Ah, très bien ce que tu fais Martin. Full power. Ouvrez. Ok. Adieu sable. Voilà voilà. Ça c'est fait. Salut Norman. Bon. Est-ce qu'on a la bonne tenue? Je dois m'occuper de ces démons. Est-ce qu'on a la bonne tenue pour ce niveau? Ah, ah, c'est le plus important. On pourrait prendre. Ah, oh, on a la bonne tenue, elle a de la avant lumière en pleine. Labo, ouais, elle est vendue. Sniper KO. Ok. Viens par là. Hop. Oh, regarde, il y en a un autre ici. Ce qui veut dire que, techniquement, viens par là. Bah voilà, tu vois quand tu veux. Très bien. Ok, toi tu es là. Si je vais ici. Puis là. Je sais pas si je peux. J'ai que l'élimination. Oh. C'est nul. Bon, c'est nul. Je dois pas perdre de temps avec ces démons. Lee va s'emparer de l'antisérum. Ok. Je vais pas perdre de temps, Un peu un comique toi sur les bords. Ah oui c'est vrai, t'es Spidey.
Ok, je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. Très bien. Personne n'a vu quoi que ce soit. Je peux avoir son... Bon, bah, tant pis. Ah la vache. Ok, je suis pas ultra discret. Mais le jeu me laisse pas l'être non plus. Ah, je crois que j'ai été repéré. Vous croyez? Vous croyez qu'ils m'attendent? J'ai un doute, hein. A priori, c'est bon. Je devrais être plus prudent. C'est rigolo, hein. Moi, je suis prudent, hein. C'est juste le jeu qui veut pas me laisser faire. Hein. Moi, je fais les choses bien, monsieur, hein. T'es con, hein, t'étais un ennemi censé être difficile à affronter. Les démons s'incrustent chez Sable, liés sur le sentier de la guerre. Hop les. Easy peasy. Voilà, ça c'est fait. Qui te voit? T'es dans le champ de vision de qui? Honnêtement. Il y en a encore un ici? Ah oui, j'ai pas vu que t'étais là toi. Non, je vais arranger ça. LOL. LOL. Très bien. Spider-Man, partez immédiatement, mes hommes contrôlent la situation. Sable. Ah ouais, ouais. Lee a balayé les agents postés ici. Vos hommes ne contrôlent rien du tout. Je vous aurais dit, super-héros. Hop, là je l'ai eu. Sur le drapeau. Qui reste-t-il? Ça passe là ou pas? Oh, allez! Viens voir par là. Allez! Voilà! Tu vois quand tu veux. Ils sont censés être encore deux? Ah oui. On va faire un truc drôle. Hop là! Sable prend les choses au sérieux. Oh. Ces types-là vont pas me faire de cadeaux. On en a marre que tu agresses nos agences, Spider-Man. Il est temps de finir. Vous croyez que c'est moi qui ai décidé vos gars? C'est une blague, j'espère. Il est là. Ah bouffe. Voilà, ça prendra. Viens me faire chier. Dodge. Et tu pourrais viser les bancs, s'il te plaît, Spidey. Raté. Ah bouffe. Bon, tu sais quoi? Lui, je l'ai eu au moins. Et lui aussi. Appelé. Ah bah je croyais l'avoir pris son arme. Pardon. Je croyais avoir pris son arme. Raté. Bon toi on va s'occuper de toi tout de suite hein. Ça va être fait comme ça. Regarde. J'ai toujours eu un coup de foudre pour les gens comme toi. Oh, quelle précision. Si seulement Sable pouvait me lâcher la grappe. Mais pourquoi tu veux pas le viser? Allez, c'est pas grave. On y va, on progresse. Qu'est-ce que c'est qui me reste? Hop, non j'en veux pas, merci, tu peux le reprendre. Bon, tant pis. D'ailleurs tu peux le reprendre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Démon et Sable hors jeu. Je vais chercher Lee à l'intérieur. Sésame, écarte-toi. Mais pourquoi c'est... si dur? Oh. Et tu me gonfles. Vous avez agressé mes hommes, détruit mon équipement et fait perdre des millions à mon client.
Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. C'est eux qui m'ont agressé ? Je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee. Mais pas les deux. Et encore une fois, techniquement, c'est eux qui m'ont affronté ! Qui m'ont agressé, pardon. Putain. Gorgeous, mais faut pas hésiter non plus. Ça veut dire qu'on est cool ? Vous allez m'aider à récupérer. Faut exagérer non plus, pardon. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Il est hors de contrôle. Oh. Ok, très bien. Mais voilà, on n'a pas du temps. Je vais leur parler. C'est la voix de Lydia ? Un instant. C'est la voix de Lydia de Skyrim ? Ok, Lee. Fini de courir. Ça a assez duré. Mais merde ! Bon, très bien. Je vais y aller comme tu veux que j'y aille. Hop là. C'est de la folie, ce truc. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. Faut que je monte ou que je descende ? Je crois que j'ai ma réponse. Ok. Je vais pouvoir piquer une tête. Wouhou! Ah! Ça ne concerne que moi! Mon costume est tout bleu! Encore! Je sais pour l'accident. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident? Tu es aussi insensible, Cosmore. Ah! Raté! Il y avait des trucs, hein, mais. Mes parents sont morts à cause de moi, à cause de ce que m'a fait Osborn. Aïe. Votre passé ne vous définit pas, ne laissez pas vous contrôler. Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers, pour faire honneur à leur mémoire. Bah ça marchait bien. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborn doit être châtié. Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin. Martin ? Ah, t'es là, Martin. Salut! Martin! Arrête de jouer à cache-cache! Ah. D'accord. Oh, les jeux de lumière, incroyable! Touche pas, c'est pas à toi, faut pas toucher. Arrête, touche pas. Bon, finalement, il fallait toucher, très bien, autant pour moi. Y'a un mec qui a hurlé, là. Ah. Antisérum, ouais. C'est le seul échantillon. Il aurait pu le prendre en fait quand on y pense. Non. Le beat slap. Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Vous les exploitez. What? En quoi c'est un peu plus tôt? Pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez What? Pas la haine gagner. Résistez. En quoi c'est un peu plus tôt? Ouh, une arène! C'est l'heure! Duel! Oh la vache! Eh oh!
Et pour ça, vous devez arrêter tout de suite. Je ne m'arrêterai jamais. Viens par là. Ah bah non, ça marche pas. Ok. Je commence à comprendre. Ok, ça, ça marche pas. Très bien. Ah d'accord. Ok, très bien. Ça allait, fallait que je la saute. Ah, je me suis trompé. Pardon, pardon, Martha. Excuse-moi, je me suis planté. Aïe. Est-ce que t'es Martha? Ok. Martha, bouf. Ah, pas marché ça. C'est que t'es rapide, dis donc. Ok, tiens, bouffe. Hey, regardez, y a le normal qui réapparaît derrière. Quand je le frappe, y'a le normal qui revient. Raté. Trop nul. Raté encore. Raté toujours. Allez, viens, Martin. Martin, viens, 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 viens. Ah, c'est le gros, ça. Non, c'est pas le gros. Allez. Salut, Martin. Ce n'est pas vous. Exactement, je suis. Ouais, tu es partagé. Oh, tu pensais faire des élections. La démocratie, c'est la vie. C'est une erreur. Confirme. Ouh, c'est nouveau, ça. Ça aussi, c'est la même, en fait. Oh, salut Martin. Eh non, t'as déjà mangé un petit pain le matin? Même un petit beignet. Oh, oh, t'es rapide. Allez bien. Ah, j'ai oublié ce coup-là. Voilà. Raté, Martin. T'es trop lent. Hein. Raté. C'était pas encore le cas. D'accord. Raté, toujours. Ah bah tiens, regarde, boum. Alors, t'arrives pas à rester battez-vous, Martin. Blanc comme neige. Non. Osborne doit s'ouvrir. Ouh. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié dans Naruto. Ah, il va pas dedans. Je croyais qu'il allait dedans. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je croyais que t'étais plus faible, mais en fait non, t'es plus fort. Je sais que vous pouvez battre le démon, Martin. Battre le démon. Mais je suis le démon. Bah. Ah, raté. Ah, attendez, ce que je peux essayer de faire, c'est... Ah, c'est pas celui-là que je voulais faire. Raté. Bon, bah au moins y'a plus personne. Raté encore. Tu peux faire mieux que ça. Ah. Ça, c'est un gros démon. Raté. Oh là, c'est la fin d'Hariko. Oh, je peux l'avoir. Ah. Osborne et toi partagerez le même tombeau. Mais non, mais non, mais non, je veux pas mourir. Ah merde. Je suis pas encore prêt pour mourir. T'assures? Je suis pas prêt. Je suis pas prêt, putain. Ah. Non, pas encore. Oh. Salut, Martin. Ah, c'est l'heure de ta médication, de tes médicaments. Ah, merde. Tout ça sera bientôt terminé. Je touche du bois. J'ai pas encore mon pouvoir. Raté. Je rêve où là c'est plus des mecs normaux. C'est plus des mecs normaux. Ils ont des armes là. Oh, j'ai pas réussi. Pourquoi j'ai pas réussi à le toucher? Tape tes potes, ouais, c'est très bien. Martin, couché.
Ah merde, toujours pas, hein. Raté. Ah. Ah. Cette histoire pue des haricots. Enfin, pue du cul ou ça pue des haricots. Quoi, c'est quoi cette tête? Ah. Ah. Ah, ah. Pourquoi j'ai pas réussi à le toucher, le mec, tout à l'heure, avec mon uppercut? C'est chiant. J'ai honte. Faut que je recommence. Non. Ah, non. En fait, celle-là, elle est facile à esquiver, hein. Y'a pas de soucis, hein. C'est les autres. Ah. Ouh. Ah. Marcus, concentre-toi. C'est pas lui que je visais, mais bon. Ouh. Qu'est-ce que je peux faire d'eux? Aïe. Eh, Martin, tu me saoules. Ah, touché. Aïe, touché deux fois. Trois fois. Mais oh, faut se calmer. Martin, viens là. J'ai une question à te poser. Concentration pleine. Pourquoi je suis en noir et blanc? Pourquoi tout est en noir et blanc? Pourquoi ma vie est... C'est quoi ce bordel? Ah, il réapparaît! Ah, toujours pas, hein. Ma volonté est plus forte que la tienne! Ça, c'est ce qu'on va voir! Ah, il y en avait deux! Ah! Ça fait un mal de chien en plus! Je dois continuer, il est presque KO! Mais non, c'est pas ce que j'ai. Couché! Ah! Ça en fait un paquet de. Aïe! Ah! Aïe! Je vais y arriver! Eh ben non! Verdict, j'y suis pas arrivé! Vous savez quoi? J'ai besoin de mes speeder copains. J'ai pas eu le temps, je suis pas allé assez vite. Allez mes speeder potes, on y va. Aïe. Ouh là 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 là. Ouh, c'est dur. Ah ah, c'était le coup de trop. Très bien. Ah, tu clignotes, mon pote, hein. Wouh. Pourquoi tu fais pas ça depuis le début, en fait, Spidey? Ouh, ouh. Boot. Renforcement positif. J'ai gagné. Il doit payer. Je sais. Ça, c'est à moi. Merci. De cette façon, Martin. Ah, Octopus. Pense. C'est bien ce qui me semblait. Incapable. Oh, bitch slap! Il vient de se prendre un coup de boot et ensuite un bitch slap. Ouch! Oh, je sens que je vais souffrir. Vu le mal que j'ai avec une pince, entre guillemets, qu'est-ce que ça va être quand il va utiliser la deuxième? Raté! Je suis trop fort! Aïe. Oh, ça, ça fait mal. Aïe. 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 Ouf. Oh, je vais pas me relever. La dernière mission, elle se fait avec Miles, c'est ça? Je pense que ça va être ça. Aïe.
Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie ? Je suis en train d'échouer là. Spidey échoue. Spidey s'est fait défoncer. Mais Spidey échoue. Et ça, c'est pas bon. Oh putain. Où est Otto ? Parti. Il y a plus urgent pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non. Pas à l'hôpital. Putain. Au fist. Bon, j'ai pris une raclée monumentale quand même, hein. Si je puis me permettre, ça pue des fesses, hein. Je suis pas au niveau. Salut. C'est moi. J'arrive. Je pense que c'est ça, en fait. Oh putain. Sinon, il y avait un lit juste de l'autre côté. Y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre ? On va dire que c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi des masques, des gants, de tout ce que tu as de stérile. Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Oh ! Oh putain, bah elle, forcément. Oh mon dieu. Ok, sorte. Fais-la sortir ! Ça va. Mais il doit se reposer. Je suis costumé, ils m'ont rien fait, arrêtez vos conneries. Ils auraient pu mettre un bandage, merde. Il y a du sang partout, regardez, il y a du sang partout, mais je suis encore en armure. Où est May ? Ah, May, c'est pas la forme, en fait. Oh non... Ils disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Oh non. Où est-ce que tu vas ? Je dois retrouver Otto. C'est lui qui a le sérum. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Quoi ? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai ? Alors il doit connaître leurs points faibles. Ouais. Techniquement, quand tu fais un objet qui est censé servir dans la vie de tous les jours, il est pas censé avoir de points faibles, des problèmes de puissance sans doute, mais de points faibles allez, véritablement, champion, non. Allez, champion. Oh putain, mec, c'est un cadavre. Ah, salut toi. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah bah. Donc, c'est bien sur Miles. Ah ah ! Non. Ça aurait été sur un des pensionnaires du Fist, ça aurait été chelou. Peut-être celle-là. Non. Aïe ! Aïe ! Tu m'étonnes ! Elle semblait plus grosse. Ah, nice ! Oh, faites que le 2... Oh, faites que le 2, tu puisses switcher entre les deux. Ou faites que le 2 soit le début du 2, ce soit en fait l'entraînement de Miles. Storyel, en fait, ce soit l'entraînement de Miles, ce serait cool. J'ai pas vu New Generation, malheureusement. Il va vraiment falloir que je le voie. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, les filles ? Oh, ça va, je suis encore un peu agile. Oh. MJ a raison. Raté. L'interface neurale. Par contre, le sable, il est toujours obligé de me tirer dessus ou... Il y a certainement tout ce qu'il faut pour ça au labo.
Non, sérieusement, le sable, il est obligé de me... me shooter, c'est pas... Je veux dire, Silver Sable, elle est pas de mon côté, maintenant? Raté. Il est quand même vachement beau, ce jeu. Alors, vous remarquerez qu'il y a la... Il y a la 2K, la 1440p sur les vidéos maintenant. Puisqu'en fait, il se trouve que YouTube me bridait ma... Bonjour. Bonjour. Je dois changer mon numéro. New York. Oh. Ah, tu supportes pas de m'avoir vu souffrir, c'est ça? Ah, pardon. Je dois rentrer chez moi et réfléchir à la voie que j'ai choisi de suivre. Merde! Je crois que vous allez me manquer, vous et votre troupe de la mort. Hélas, les troupes de la mort restent. Non! Contrairement à moi, ils ne se posent pas de questions. Et Osborne continue à payer. Désolé. Ça a failli être une bonne nouvelle. Ouais. Je sais. Vous et votre trait d'esprit me manquerez, Spider-Man. J'espère qu'on se reverra. Cette femme est vraiment bizarre. Non. C'est votre dernière chance de procéder à des améliorations avant la conclusion de l'histoire. J'ai tout amélioré, ça tombe bien. J'ai fait 100% du jeu. Donc c'est la fin. Après, il restera les 3 DLC. Wouh! Ça veut dire que... on va sans doute se faire casser notre costume. Dommage. Donc j'imagine que ça va être le costume blanc normal qu'on va revoir dans la cinématique. Ah, c'est con. Ouais, ça va là, c'est ça. Ça va être ça. C'est ce que je disais. Ça va être ce costume-là qu'on va voir se faire casser. On a fait un miracle, docteur. Mais maintenant, je dois le détruire. Avec une de mes petites créations. Genre, t'as des plans de Spidey là? Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas faire l'Iron Spider. Ce serait génial, mais c'est quand même pas l'Iron Spider avec les bras. Ah non. C'est noir. Ok. Why not? Noir et jaune. Bon. J'imagine que c'était pour rappeler l'alliage de, des bras. Ok, très bien. Bon bah, nouveau costume. Génial. Noir et jaune, cela dit. C'est moins mon style. Après, on va bien voir. Hein. C'est pour rappeler les bras, forcément. Il a construit, en fait, sa version, la version Spidey d'un costume de, à partir des bras de d'Octopus. C'est pas mal. C'est pas mal sur le principe. J'aime bien. Alors je crois que c'est dans un des jeux Lego, vous pouvez prendre Lego Marvels, vous pouvez prendre Octopus. Tu veux que je te supplie? C'est hors de question. Le monde saura la vérité avant qu'on ne ramasse tes restes sur le trottoir. Il y a vraiment un principe d'impact quand il grimpe comme ça, fait pom 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 pom. Dis-leur ce que tu as fait. Un snap? Jamais. Toute ta vie repose sur des mensonges! Des mensonges! Le téléphone! Tu as volé ma société! Mes idées! Dis-leur! Et il a un autre téléphone! Vérité. Bon. La vérité! Et que tu es malade. D'accord. La vérité, c'est que depuis que tu ne travailles plus pour moi, tu ne vaux plus rien. La vérité, oh, c'est que tu n'as jamais accepté que je sois meilleur que toi. Tu es minable, Otto. Et ça ne changera jamais. Ah. Freak. Je l'aurais tellement entoilé, moi, perso. Ah bah oui, tu vas partir te planquer, toi. Hein. Ah bah oui, il voit ses deux ennemis s'affronter, tu m'étonnes. Donnez-moi le sérum. Otto,
Votre but a toujours été d'aider les autres. S'il vous plaît. Tu te trompes, Marcel. Mais c'est ton choix. Ouf, c'est rapide. S'il vous plaît. Je rendrai l'antisérum quand Osborn aura payé pour ses crimes. Raté. Oh la vache. Quoi? Recharger le gadget en continu? D'accord. Wouhouhou! Ça doit faire mal. Donnez-moi le sérum. Allez. Vous avez fait assez de dégâts pour ruiner Osborn. Non. Il finit toujours par rebondir. Je veux qu'il perde. Raté. Tout ce qu'il a. Raté aussi. Aïe, là tu m'as pas raté par contre, là, je confirme. Aïe. Et oh. Wouhou. Moi non plus, je t'ai pas raté. Et tu la rebouffes. Voilà. Que tu as un nouveau costume. Merci. Ça raté. Pas. Je connais vos points faibles. Je n'ai aucun point faible. Ah la vache, il me touche quand même avec celui-là. Ah la vache. Il fait ultra mal. Et en plus, la zone est... Oh la vache. Wouhou. Eh ben dis donc, ça va être tordu du slip. Allez bouffe. Et ça fait trois fois hein. Tu m'as fait perdre mon temps. Oh là. Changement de phase. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Vite. Oh. Vite quoi? Aïe, c'est du feu. Ça fait mal. Allez, confirme. Ok, ce boss va être tendu. Ah. Ok, ça fait un. Bouf. Ah. Donnez-moi le sérum. Allez. Vous avez fait assez de dégâts pour ruiner Osborn. Ah. J'ai appuyé sur triangle. Lâche-moi. Lâche-moi la grappe. Merci. Et tu... Pouf. Voilà, merci. C'était un petit peu plus... Wouhou. Merci, oui, je sais, il sert du shit ailleurs. Hop. Je connais vos points faibles. Je n'ai aucun point faible. Oh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais écoute... Sur un malentendu, ça peut s'arranger. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Bouf. Oh, c'est beau. Ok, retourne au sol. Aïe. Les gens vont mourir. Il leur faut le sérum, et vite. Je soignerai la ville une fois que j'aurai terrassé Osborn. Bouf. Pas la même animation, s'il vous plaît. Oh, dommage. En plus, il est un petit peu inexpressif au moment où il le fait. Wouhou. Eh bien. Laissez-moi sauver la ville. Ensuite, on fera ce que vous voudrez. Je sais déjà ce que je veux. Maintenant, dégage mon chemin avant que je ne te fasse vraiment mal. T'as pas l'impression que c'est moi qui te fais mal cette fois-ci? Ah, j'ai pas eu le temps de faire le... Donnez-moi le sérum. Et je vous promets que Osborn sera jugé. Comme pour Osborn. Rien que des mensonges. Ah bon? Et regarde celle-là. Celle-là, tu vas peut-être la bouffer, celle-là, non? Boum. Je pensais que ça ferait plus de dégâts. Dites-moi, ah. Voici l'homme qui voulait aider les autres. L'important, ce loser, il est parti. Aïe. Ah.
Regarde. Ah, d'accord, c'est marrant. Ah, ça suffit, d'accord, ok. Et à me refaire le coup du... Je vais faire péter le... Voilà. Hey yo. Bouffe. Oui. J'arrache ta puce. Hey, il avait mis une protection, non? D'accord. L'enfoiré. Ah, j'ai plus de toile. Ça va être problématique, hein. Aïe. Oh, le punch. Je Oups. Suis tellement déçu. Parker. Il savait. Parker. Comment qu'il te crache ça à la figure? J'ai essayé de te prévenir, Peter. Mais tu ne m'as pas écouté. Ah, il a mis l'ancien costume en dessous. Vous le saviez. Je te laisserai pas gagner. C'est bien trop important pour moi. Ça n'est encore plus pour moi. Encore plus. Allez, un bras. Ça va être une grosse QTE? Non? Oui? Non? Oui? Oui? Non? Wouh! Vous ne voyez donc pas tout le mal que vous faites? Tu ne comprendras pas! J'ai plus de toile. Tu n'as pas souffert, toi! Ah bon? Et là, tu souffres? Ou pas? Apparemment. Je l'ai été un peu trop longtemps. Raté. On m'appelle Rocky Balboa. Cet immeuble, c'est chez moi. Faut se barrer. Raté. Boum. Boum. Aïe. Eh, moi, ça aurait été moi, je l'aurais esquivé, hein. Pensez à l'homme que vous étiez. Cet homme n'est plus. Ah. Oh. Tu ne peux pas me sauver, Peter. Oh. Dans ce cas, vous devrez vous sauver tout seul. Vous étiez Raté. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur. On sent que c'est dur pour Peter. Hop les bouffe. Il cherche à me mettre un coup depuis très longtemps mais il arrive pas. Voilà. Hop les. Ah t'as plus tes lunettes. Tu as l'air fatigué, Parker. Pas fatigué. Juste meurtri. Il est en train de l'emmêler dans ses bras. Ah c'est con ça. Oh, qu'est-ce qui sort du milieu? Ah. Voici ta dernière leçon, Peter. Aïe. Si tu veux changer le monde, tu dois être un homme capable de prendre les décisions les plus difficiles. Non, non, fais pas ça. Fais pas ça, jette pas le truc. Je suis entièrement d'accord. Il va chuter. L'antisérum. Et t'as pas de toile. C'est moi? Non, c'est lui. C'est moi. C'est lui. Ah, je pensais que le costume était en dur. Finalement, il l'enlève comme si c'était son costume classique en tissu. Ouf, j'ai gagné. Tu as perdu. Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir? Trahir? Je vous admirais. Votre esprit, votre idéal,
votre envie d'aider les autres, votre détermination. C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité, de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux! Vous étiez tout ce que je rêvais d'être! Et vous avez tout gâché! Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Ah, je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Ensemble. L'empereur. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Non ! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras ! Ah, je serai piégé dans ce corps inutile ! Je t'en prie, Peter. Ce n'était pas moi. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Je te souviens. Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter ? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas ? Peter ! Peter ! Vache, c'est dur à la fin. Pour les deux, hein. Mais bon, forcément plus pour Peter, mais... En fait, c'est d'autant plus dur qu'à un moment, il a essayé de le manipuler, quoi. Par contre, ouais, un mec qui ose venir parler à Peter Parker de responsabilité, tu te fous de ma gueule ? Ah ! Le vieux Stum. Alors ? Alors ? Alors ? Il est viable. Alors ? Mais il nous faut tout l'échantillon pour produire plus de doses. Est-ce que ce sera long ? Quelques heures, une journée. Elle a pas une journée. Ok, soit je la sauve elle, soit je sauve tout le monde. Et si on soignait quelqu'un maintenant ? Il ne resterait pas assez pour les autres. Oh putain, je suis obligé de sacrifier tante May. Oh la vache, la journée de merde ! Je vous laisse un instant. Elle se bouffe les ongles pendant ce temps-là. c'est humain, c'est cool. Mais en vrai, il met pas un petit peu de son sang dans Tante May et ça l'a guéri à un moment. Vous allez guérir, madame. Oh, arrête. Antidote. Enlève ce masque. Trop du cul. Eh merde. Ah, il a pris cher quand même, hein. Tu savais ? Bah oui. Depuis longtemps déjà. Tu m'étonnes. Je voulais pas que tu sois inquiète. Je l'ai été. Mais c'est bon, c'est passé. Je suis tellement fière de ah toi. Je me taise. Et Ben l'aurait été aussi. Tous ces gens que tu as sauvés. Je sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Ah!
Ils vont pas le faire. Oh, les enculés. Allez, vas-y, le poids de la mort de tante met sur tes épaules maintenant. Putain. Oh, les cons. Oui, c'est sa mère à Miles. Très bien. Un mois plus tard. Des frites! Alors? Salut, Mary-Jane Watson, rédactrice adjointe. Hey, bravo! Nice! Je savais que tu y arriverais. Et toi alors? T'as trouvé un job? Ah, non, mais... Je suis à vous tout de suite, merci. J'envisage sérieusement de changer de branche. Hmm? Ouais, je crois que je vais devenir cuisinier. Désolée, c'est que... tu es un scientifique, et tu es doué. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé a créé un monstre à huit pattes qui a failli détruire la ville, alors... Ouais. Et puis, ton poulet au curry est digne d'un restaurant. C'est clair. Et je travaille encore mes boulettes. Tu vas camper? Ah, non, mon nouvel appart sera pas prêt avant une semaine, alors je vais squatter chez Miles quelques nuits. Ah. Sinon, tu peux aussi dormir chez moi. Enfin, si tu veux. J'ai un très bon canapé. Enfin, je veux dire, oui, parce que... Je dis pas que j'en ai pas envie, hein. En fait, je trouverais même ça super, mais... Tu veux bien? 3 cm entre les deux mains. J'en ai toujours eu envie. Moi aussi. De son lance-toile ou de... De son lance-toile, d'accord, ok, très bien. Oui. Moi, il y a un truc qui me choque. C'est qu'à un moment donné, faut savoir que Peter est plus ou moins aussi riche, si ce n'est plus, que Tony Stark. Parce qu'il va créer les Parker Industries, et voilà. Donc, faut pas qu'il fasse cuistot, s'il vous plaît. Ça serait couillon de faire cuistot à ce moment précis de ta vie, quand tu sais, en tant que lecteur, que plus tard, les Parker Industries, ce sera juste monumental en termes de pognon, quoi. Oui, parce que je vois que ça dans la ville pognon, moi. Non, 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 mais en vrai, il va aider tellement de gens avec les Parker Industries que... Voilà. Et en fait, grosso modo, ce qu'il va faire dans les Parker Industries, c'est qu'il va se servir de toutes les déviances slash technologies aussi de ses ennemis, pour finalement les réadapter et aider les gens avec, je pense, bah, justement aux fameux bras, aux fameuses prothèses, finalement. Il va les réadapter, réutiliser les cerveaux des super vilains, leur technologie, pour en faire quelque chose de super bon pour le peuple. Et souvent à des tarifs assez bas, mais bon. C'est comme ça. Et il faut savoir qu'à un moment ou un autre, Parker Industries... Enfin, Peter Parker est un équivalent, est égal à Tony Stark en termes d'intelligence. Et ça, c'est extrêmement important. C'est joli ce qu'ils ont fait là. C'est vraiment très joli.
En plus, l'aspect noir et rouge du costume, là, me rappelle un petit peu celui de, justement, de Miles Morales dans le nouveau film New Generation. Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. Into the Multiverse, comme il était appelé. C'est beau ce qu'ils ont fait. Je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est vachement beau. Après, ils auraient peut-être mérité, voilà, voyons, on voit le rhino en fond, ils auraient peut-être mérité qu'on montre le rhino, ou Miles, peut-être. On voit Martin, on voit Spidey, on voit Doc Ock. Voilà, comme là. On voit de temps en temps Mary Jane, mais principalement on voit les trois personnes qui sont gentilles finalement, et dont deux qui finissent par être méchantes. On voit Peter aussi, c'est vrai. Belle pause. Très belle pause. En tout cas, c'est un très bon jeu. Hein. Franchement, c'est vraiment une perle. Une perle du jeu vidéo. J'espère que le 2 sera aussi bon. On peut que l'espérer. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Hein. Le meilleur des cas, ce serait qu'il soit encore meilleur. Nice. Attendez, presque un drapeau américain à la fin, mais bon. Je suis pas expert en la matière. C'est peut-être ta façon de lui demander. Je crois que je suis trop nerveux. Bon, où est-ce que tu veux qu'on mette ça? Ce serait très bien ici. Ok. Ah, donc finalement, il va dans son appart. Il dort pas chez. Peter, ouais. Je voudrais te parler d'un truc que je peux pas dire à ma mère. Je t'écoute. En fait, il m'arrive des trucs bizarres. L'adolescence. Genre physiquement. Ah. Oui. Mais non, c'est l'étoile. Eh bien, tu sais, tu arrives à un âge où ton corps commence à changer. Et donc, tu as dû remarquer que... Eh bien, par moi, tu... Pas ça. Je crois qu'il vaut mieux que je te montre. Ouais, je vais te montrer. Non. Ah bah voilà. Tu trouves pas ça bizarre? Il va faire pareil. Pas vraiment, non. Ah, énorme. Ah, je peux aller très très vite, je vais aller très très vite. Screwball, ah, génial, d'accord, ok. Bon, bah, c'est énorme qu'ils arrivent comme ça, en fait, finalement. Et pour moi, ça n'augure que du bon pour le deuxième jeu. Et j'ai hâte de voir ce que ça vaut. J'ai un truc qui me dérange sur l'image, regardez bien. Le cercle dans le bouton passé, la touche cercle, donc entourée de noir, enfin, entourée de rouge qu'on voit au centre, avec le noir, enfin, bref, elle est pas centrée vis-à-vis du gros cercle bleu autour. Et ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Mais en vrai, c'est cool ce qu'on vient de voir. C'est très, 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 très cool. Et franchement, je mise que sur ça pour le 2. Peut-être... Et là, ça devient plus compliqué. Mais d'intégrer le Spider-Verse complet. Enfin, pas complet, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est compliqué parce que dans le premier film, ils nous ont donné les costumes. Enfin, dans le premier jeu, ils nous ont donné les costumes, pardon. Film, ça va plus. Mais ouais, on n'a pas le costume de Scarlet Spider, déjà. Enfin, si. On n'a pas le vrai costume de Miles Morales. Non, on n'a pas Scarlet Spider. Autant pour moi. Donc, ouais. On n'a pas Venom non plus. Donc, on n'a pas... Enfin, on n'a pas le costume noir. Le costume symbiote. On n'a pas du tout parlé de symbiote, d'ailleurs. J'en ai pas vu du tout. Il y a juste une chose qu'on n'a pas vue qui me dérange. C'est quand on était dans le laboratoire secret de... Comment de Norman Osborn avec... comment elle s'appelle? Mary Jane. Je crois qu'il y avait son fils dans un tube. Je crois qu'en fait, ce qui avait été fermé, là, complètement clos, vous savez, l'espèce de gros truc, c'était son fils dans un tube.
que j'ai vu quelques images. Et je crois que c'était ça. Et ça m'inquiète. On l'est pas vu. On va bien avoir plus d'infos. Peut-être qu'on va le voir tout de suite maintenant, là, après. J'aimerais bien, mais je pense que c'était la dernière scène qu'on avait de cinématique qu'on a vue avec eux, là. Même si elle était très très cool. Eh ben, dis donc ! On fait du monde qui travaille. C'est bien. Mais ouais, vraiment un très très bon jeu, très très bonne physique, très bonne technologie aussi, parce que tout ce qui est apparu dans le jeu graphiquement est propre. Quelques détails sur certaines techniques qu'il n'a pas. Je pense principalement à ce qu'on a pu faire, par exemple, vous voyez, dans la mission aujourd'hui, qui était de venir par-dessus en marchant sur un mur et de venir le coller l'adversaire. On l'a pas, on sait pas pourquoi. C'était présent dans les autres jeux, et c'est vraiment dommage qu'elle n'existe pas. Je pense que ça faciliterait un petit peu trop le jeu. Mais en dehors de ça, je ne vois pas pourquoi on ne les a pas vraiment. Et ce cercle me dérange. Mais Ouais, il manque quelques techniques, Spidey. Il a plein de gadgets, c'est très très cool. Mais il manque quelques techniques de base qu'on avait dans les autres jeux qui étaient fun à faire. Et c'est peut-être ça qui est un peu dommage. En dehors de ça, tout est parfait, tout est bien qui finit bien. Ah non, bah non, Tante May est morte. Mais le jeu est parfait. Le jeu est très très bon. Excellent. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer à un aussi bon jeu Spidey qui ne tombe pas dans le nanar, vous savez, un petit peu. Alors, on doit arriver pas loin de la fin parce que je vois des gros titres qui apparaissent avec de moins en moins de monde dedans, quoique, j'ai rien dit. Ouais, voilà. Mais ouais, sinon on a vraiment Marvel Games, nice. Et puis, comme je le dis souvent, comme j'en ai parlé souvent dans ce Let's Play, il y a aussi The Avengers Project dont on n'entend pas du tout parler. En ce moment, en termes de jeux vidéo, c'est censé annoncer, je crois, depuis 2017, hein. Et aucune info, hein, aucune info du tout. Que dalle, à part des développeurs qui me disent « Ouah, mais en fait, ça va être trop énorme !» Des développeurs extérieurs au projet, qui, en visitant un petit peu les trucs, vous savez, en discutant, apprennent des informations sur le truc. Et apparemment, ça va être énorme, mais on sait pas ce que c'est, mais ça va être énorme, ça va être trop bien, ça va revoir votre vision du film, du jeu de super-héros, waouh. Attention quand même à tout ça. Eh ben dis donc, moi qui disais que j'étais presque à la fin. Happy Feet Follet. The audio guys, ok, on arrive sur la fin. Ouais, c'est la fin. Moi vouloir être chat. Non, moi vouloir être araignée. Eh ben non, c'est pas la fin. Vous me faites mentir. Bande d'enfoirés. Allez. Et bien ça se trouve, si j'aurais appuyé sur passer, ce serait bien mieux, hein, mais... In memory of Steve Ditko, who with the stroke of his pen made the world amazing. Alors maintenant, on pourrait rajouter... J'aurais peut-être dû faire une mise à jour pour rajouter... Ouais, c'est sûr, mais bon, il y a aussi... l'immortel Stanley. Norman. Ah bah tiens, finalement, je suis sûr qu'on va le voir. C'est ça. On va voir si j'ai raison ou pas. Hein. Je pense avoir raison. J'ai vu des images, il me semble que c'est ça, des artworks. Ouais, c'est ça. C'est glauque. On y était presque. Le symbiote. Mais je n'abandonne pas. Je trouverai un remède. Je te le jure. C'est le symbiote qui le maintient en vie. Je t'aime. Ok. Ok, bon bah on sait que ça va être sur les symbiotes, le deuxième déjà. Cool. Très bien.
ça pue. Qu'il a fait à son fils, hein, je veux dire, hein. C'est glauque. Bonjour New York. De la guerre vient la paix. Très bien. Bravo, vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais modifier l'heure de la journée dans les stations de recherche ou recommencer une nouvelle fois l'aventure difficulté ultime en New Game Plus. Très bien. Nouvelle tenue, débloquée sous-vêtements. C'est quoi ce bordel? Wouh! C'est moi ou c'est plus rempli qu'avant? Ah ouais, elle est là. Nice! Ok. Wouhou! That booty! Wouhou! Salut New York! Comment tu vas aujourd'hui? Me poser sur le camion, hop là, haha, salut, ça fait pas vandale du tout. Y'a pas un moyen de faire des... Merci, c'est gentil. Salut. Boum. Yuri, vous êtes de retour. Ah, Yuri. Votre mère. Très bien. Elle me demande à nouveau de lui faire des petits enfants. Ah. Vous allez prendre des vacances du coup maintenant? Sûrement pas, ce n'est pas le moment. L'apocalypse n'a peut-être pas eu lieu, mais on a toute une ville à nettoyer. Ah non, elle est propre, hein. Les Rikers en cavale, les démons et les hommes de Fisk qui tentent un retour, on a de quoi faire. Ça fait beaucoup de boulot. Elle est propre, la ville. Non, pas vous. Pour ce travail, il nous faut l'inspecteur Spider. Oh putain! Oh putain! Vous l'avez dit? Vous avez même fait la voix! Arrêtez, je vais le regretter. Vous m'aimez bien, je le savais. Ça y est, je regrette. Allez, on a du peur sur la planche. Ah, j'ai hâte! L'inspecteur Spider survole la ville. Tout est calme, mais le chaos est tapis dans les moindres recoins, prêt à bondir. J'aurais pas dû. C'est énorme! Mais la ville, elle est finie, d'accord? 100, et okay, ça me semble tout bon. 100. Très bien, 100. Bon, et ben dans le prochain épisode, chers amis, j'aurai sans doute égaliseur. Tout le monde est mis KO en un coup, vous y compris. Très bien, c'est risqué. Et ben je vais m'occuper de quelques petites choses, chers amis, c'est-à-dire tout ça. Il a disparu. Attendez, il est où le pouvoir qui me permettait de... Ah non, c'est pas là, c'était là. Ok, très bien, c'est un gadget. Je vais m'occuper de ces 50 photos, et je vous retrouve pour la suite des aventures de Spidey dans le DLC, dans le prochain épisode. Salut les gens, et yop !